vais en profiter là qu'on est sur une montée et que je suis en train de déglinguer les jambes pour vous dire que ça compte quand même 28 euros de rentrer là-dedans, une journée. Ouais. Et ça fait quand même un peu cher. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, mais ça fait quand même un petit peu cher. Voilà, donc après vous y passez la journée, hein. Mais sachant que vous payez les consos et tout à l'intérieur, ça fait cher. Donc actuellement, marchons vers les girafes. Et donc, il y a un petit cassoulet à la caméra derrière. Le café un peu genre, qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, la lunette. C'est ma famille aussi, mais je vais être la lunette. Il y a beaucoup de chants de tapomites dans ce compagnon. Oh, regarde. Vous ne pouvez pas la voir, je pense pas. Mais elle est dans la boîte. Actuellement, voici une hyène qui semble. Ah, elle lève la tête. On dirait qu'elle est morte, quoi. Non, c'est beau, ça. Je crois que j'ai essayé. La paix commence bien. Après, c'est un animal sauvage. Bien sûr. C'est vrai qu'elle va venir direct. Tu veux lui donner un petit nom pendant qu'on y est? Ah, comment elle s'appelle les hyènes dans. Ah, il y en a une, la cinglée, elle s'appelle Ed. Ben voilà, c'est Ed. Oh, à travers les branches. Tu vois, ça va. Ah bah non. Oh putain, elle a tourné la tête là. Genre. Non, je ne te veux pas. C'est le savane africain. Et on a même croisé des hyènes. On est sur une montée. Et mes genoux sont déglingués. Ça va. Donc là, on a les rhinocéros. Pour la petite anecdote en fait, il y en a un. Un d'eux qui a voulu flirter avec l'une d'elles, sauf que cette genre de demoiselle était pas trop pour. Elle était pas trop pour. Elle était pas pour. Et le bébé, il a voulu chercher la merde et tout. Et du coup, bah en fait, elle lui a foutu un petit coup de corne. Petit coup de corne mignon. Petit coup de corne mignon. Ou je ne sais pas, mais en tout cas, il était bien passé. Hein. Et écoute, toi, t'avais le bébé qui les suivait, genre. Donc là-bas, vous voyez aussi les girafes, les autruches, là-bas, les zèbres. Et il y a d'autres bêtes que je connais pas le nom. Comment ça s'appelle les bêtes noires? Les bêtes noires. Ouais, un peu comme un mélange entre un zèbre et une vache. Là-bas, là. C'est un gnou. Un gnou. C'est des gnous. C'est des gnous. Et il y a des pies aussi, mais il n'y a pas de rapport. Regardez le petit lion. Est-ce que c'est les lions normaux ou les lions blancs? Ça vous dira plus tard parce qu'on va repasser devant eux. Mais voilà, vous savez, le roi de la savane. Et là-bas, la reine de la savane. C'est l'animal le plus éteint du monde. Ouais, il se la pète le lion. Bah, étonnement. Genre, moi j'ai une crinière et pas toi. Ah. Ce que vous voyez là-bas est le lion blanc. Donc là-bas c'était vraiment le lion de la savane et ici c'est le lion blanc. Ce que vous avez entendu, le début de. Oh, je suis un lion aussi. T'es un lion. Mon derrière c'est un lion. Bah, ça je sais. Mon derrière n'est pas un lion si ça peut vous rassurer. Les petites girafes et les petits zèbres. Et ça, c'est une espèce en voie de disparition, c'est le Alexandre. Mais regardez. Enfin, c'est beaucoup trop grand. Voilà, là, il y a des autruches. Sympathique. Très sympathique. Il ouais, n'y a pas que des autruches. Hein. Mais je crois que de toute façon, tout là-bas, c'est aussi que des autruches. Donc on va redescendre. Il me semble. Il y a un fou, nous dirigeons actuellement vers les fauves. Ouais, t'as pas déjà fini la savane? Mais non, on les a fait par le dessus. Oh, j'ai failli tomber. Ah. Mais tu fais attention, ça va pas être une grande perte, enfin, pour moi. C'est bien, il a pas relevé. Si, j'ai entendu. J'ai pas compris. Ah, j'ai compris, tombes, mais qu'après, en fait. Ça va pas être une grande perte. Oui, bah, c'est. Faut pas lui en vouloir, il a un problème psychologique. Enfin, bon, nous nous dirigeons donc vers les fauves et tout autre animal étrange.